Cristo a été créé il y a 30 ans, à l'occasion effectivement de la rencontre de différents partenaires issus de l'industrie du conseil. L'idée, c'était de créer une structure sur Limoges qui permettrait de répondre à des besoins croissants en matière de recherche de solutions adaptées à la dépollution des effluents industriels. Alors, l'innovation, effectivement, est au cœur de notre métier, dans le sens où les besoins sont croissants par rapport à l'obtention de normes de rejet qui soient de plus en plus drastiques. Donc, nous sommes contraints d'intégrer, effectivement, par rapport au marché tel qu'il est conçu, quelles sont les solutions matures que l'on peut intégrer, nous, à l'échelle de filière de traitement d'eau. C'est notre métier, nous faisons de l'ingénierie. L'ingénierie, ça consiste à trouver les meilleures solutions possibles disponibles et à les intégrer dans des solutions fiables et pérennes, ou lorsqu'on ne trouve pas sur le marché des solutions qui sont adaptées, de créer nos propres solutions au travers de la recherche et du développement de procédés. Donc à ce titre-là, nous sommes équipés d'un laboratoire dans lequel nous faisons des essais à l'échelle paillasse, mais nous avons également des unités pilotes qui permettent de passer un stade au niveau d'échelle par rapport à la qualification des performances. Et nous avons également des installations pilotes dites containérisées que l'on dispose chez nos clients en dernier recours pour qualifier à l'échelle semi-industrielle les performances des différents procédés attendus. Calisto a été créé par 4 personnes et a cru au niveau de l'effectif jusqu'à atteindre aujourd'hui plus de 15 collaborateurs implantés en France et à l'étranger. Aujourd'hui, effectivement, l'histoire de Calisto, au travers des compétences acquises sur le traitement et le recyclage des effluents dans le secteur du traitement de surface, nous a permis d'élargir le champ jusqu'au secteur du traitement des effluents en agroalimentaire, d'industrie pharmaceutique, et on se positionne également sur la partie rejet hospitalier. Donc aujourd'hui, effectivement, l'équipe a été formée par rapport à ces nouveaux challenges pour pouvoir effectivement travailler sur le territoire national et à l'export. Je lance à cette occasion une petite main tendue auprès de futurs chercheurs d'emploi. Nous sommes actuellement à la recherche de différents profils pour pouvoir répondre à la demande soutenue que l'on a depuis un an. L'équipe de collaborateurs de Calisto est au cœur du fonctionnement de notre structure. Elle est extrêmement importante et elle regroupe différents profils en termes de niveau d'études et en termes de secteurs sur lesquels ils évoluent. Et aujourd'hui, effectivement, on est à la recherche de nouveaux talents pour pouvoir nous accompagner dans notre développement, que ce soit en France ou également à l'export, Afrique du Nord ou Europe.